Cette vidéo est le second reportage de l'exposition Playmobil Playmosso Cats. Donc tu retrouves le premier reportage en haut à droite de ton écran. Elle a été tournée juste avant le confinement. Abonne-toi, pouce bleu et c'est parti pour une interview passionnante entre passionnés. C'est la passion qui parle. Je vais faire le plus grand Playmobil du monde en polystyrène. C'est de le faire officialiser sur le Guinness des records. Là, on est à pas loin de 1000 euros. Les plus grands qui existent de chez Playmobil font 2m20. Je suis à 2m50. Alors bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle David Obadia. Je suis en fait créateur de pièces uniques en format XXL, 65 cm. Donc on peut les voir juste derrière vous. Voilà, tous ceux qu'on voit derrière sont des pièces uniques. Oui, il y a des préférences forcément. Marty McFly, okay. De Retour vers le futur, qui est là-bas avec son petit skateboard. Ça sort bientôt en Playmobil, en vrai Playmobil. En vrai Playmobil, Playmobil sort la DeLorean et ainsi de suite, mais... L'histoire, c'est que la DeLorean, moi, je l'ai sortie il y a 2 ans déjà. Voilà, donc customisation. Un custom fait à partir de la petite voiture top agent, la voiture qui a des ailes qui s'ouvrent. Voilà, oui. Hein, on les voit dessous. J'ai fait exprès de laisser ces traces-là pour qu'on la reconnaisse. Ouais, elle est bien. Et en fait, on a les porte-papillons. Okay, et à l'intérieur, dedans. Voilà. On a le convecteur temporel, le réveil de doc en même temps. Et en ce moment, je suis en train de préparer le camion. De doc, justement, okay. Qui est fait à partir du camion qui était dans le film Playmovie, oui. Le food truck de Dell, où maintenant j'arrive à rentrer à l'intérieur ma DeLorean, mon piment clairière. Un bricoleur. Oui, j'ai un bricoleur, tout ce qu'on veut, un grand fou aussi en même temps, hein, parce qu'il faut oser s'attaquer à des produits comme ça, et surtout les montrer. C'est pour ma passion à moi, pour mon petit plaisir. Que vous êtes passionné de Playmobil aussi, du coup. Ah oui, depuis tout petit. Donc vous faites ça que sur les Playmobil? Ouais, je ne joue pas... Franchement, j'adore. Merci. Je ne joue pas avec les Lego, j'ai fait du Lego, mais j'ai arrêté très vite. On parle pas de Lego sur ma chaîne. On me demandait les personnages préférés que j'ai faits. Il y a Marty, il y a forcément le Petit Prince. Ah, c'est vous aussi, ok. Ben oui, le Petit Prince, c'est moi aussi. Le Petit Prince Playmobil, on en parle dans la prochaine vidéo, dimanche à 16h30. Alors abonne-toi. Et derrière ça, après, il y a eu aussi le Chapelier d'Alice au Pays des Merveilles. Qui reste, c'est les 3 plus belles pièces que je trouve à mon goût. Le matériel, alors, vous faites ça? Le matériel, je trouve des Playmobil XXL, chevalier, pirate, princesse ou Père Noël. Par-dessus, je rajoute de la matière. C'est un rajout de matière, de résine, de mastic, de carrossier, et ainsi de suite. Et ça prend combien de temps à peu près? Par exemple, la laitière Alors, une laitière, ça va vite, Une laitière, en 2-3 jours, elle est faite. Okay. Petit prince, c'est 2 mois et demi de travail. Ah oui. C'est 3,5 kg de matière rajoutée par-dessus. Vous essayez plusieurs fois Ah non. Non. Il n'y a pas 2 essais. Il faut que ça soit fait dès le premier coup comme il faut. Et après, dans la folie encore plus longue, j'ai fabriqué le grand personnage qui est derrière nous là-bas. Non, c'est des moules que j'ai réussi à trouver par le plus grand des hasards sur la toile. Et le but, c'est de réussir à refaire des personnages comme Petit Prince et ainsi de suite, mais en 1m60. C'est super joli, super bien fait. Bah, c'est gentil. Parce qu'on dirait même pas que c'est du custom en fait. Non, mais tous les gens disent qu'ils sont plus jolis que ceux qui viennent de chez Playmobil. Oui. Et si vous pouvez donner un ordre de prix. Pour réussir à en créer d'autres, il faut générer une rentrée pour réinvestir derrière. Oui, on part sur une base de 250 euros avec les conditions que la personne fournisse le personnage. Si on veut vous contacter, c'est Facebook. Par la clinique du Playmo. Voilà, clinique du Playmo sur Facebook. Sur Facebook. Et on va peut-être aller voir du coup le gros Playmobil. L'histoire de mon géant. Voilà, c'est ça. Racontez-nous l'histoire de ce grand Playmobil. De ce géant. Ce géant de combien de mètres? Alors 2m50 sans son chapeau. Avec le chapeau, on est à 4 mètres. Mais le chapeau a été fait exprès pour l'exposition de Socat. À ma connaissance, les plus grands qui existent en plastique de chez Playmobil font 2m20. Okay. Je suis à 2m50. Donc c'est du polystyrène? Pour l'instant, c'est du polystyrène et du papier journal. On a l'histoire expliquée. Ce petit bonhomme, en fait, il vient de la récupération à la déchetterie de blocs de polystyrène que je me suis amusé à empiler chez moi au départ pour faire des décors. À la base, le polystyrène était destiné à me faire des rochers, des tunnels. Des décors pour les dioramas Playmobil. Voilà. Et en fait, j'ai un ami qui est venu au même moment à la maison en voyant la pile que j'avais fait dans la salle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Je fais, je vais faire des rochers. Il me fait, non. Je te connais, toi, t'es capable de nous sortir un bonhomme phénoménal. Je lui fais, allez,
chiche, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Facebook et j'ai dit voilà, je me lance dans un défi, je vais faire le plus grand Playmobil du monde en polystyrène. J'ai commencé dès le lendemain à apprendre des codes sur des Playmo, à trouver les bonnes tailles et j'ai commencé à coller mes blocs de polystyrène ensemble, à les tailler. Donc ça a été fabriqué avec une machette. Ouais, oui, ok. Une machette américaine. Okay. Hein, les grandes machettes, un petit chalumeau pour chauffer ma lame, pour découper à chaud. Derrière ça, j'ai taillé tous les jours. J'ai travaillé dehors parce que je fais ça dans mon petit village. Donc les gens m'ont vu pendant plusieurs mois découper des blocs de polystyrène sans savoir vraiment ce que je faisais. Et donc combien de mois pour... Il y a eu un peu plus de 3 mois. Non, je travaille pas, je okay, m'occupe d'accord. plus que de ma passion maintenant. Incroyable. Et de mes enfants en même temps. Et donc voilà, le bonhomme a évolué petit à petit. Au début, il était un peu carré. Et au fur et à mesure, il est devenu bonhomme qui ressemblait à quelque chose. La protection, le transport, comment ça se passe ? La protection, là, il y a du papier journal dessus pour éviter que le polystyrène s'effrite. Bon, il arrive à prendre des coups pendant le transport, mais pour l'instant, c'est son squelette. Le but du jeu va être de faire un projeté de résine par-dessus pour le rendre rigide et après, de lui faire une peinture comme une voiture chez un carrossier en cabine de peinture et d'avoir vraiment la Rolls-Royce du Playmobil. Et après, il sera dans toutes les expositions Playmobil. Après, il va faire le tour de France, celui-là. Et il se démonte comme un vrai. Ah, les oui. cheveux s'enlèvent, la tête s'enlève, le corps s'enlève, les bras. Et en plus, moi, j'ai les mains qui s'enlèvent. Le d'accord. but, c'était d'être le plus près de la réalité. Et donc, il y a un corps en plastique dedans ? Ah non. C'est uniquement du polystyrène. Il y a une tige de ferraille qui fait la jonction entre le torse et la tête. C'est tout. Et c'est lourd ? Ah non. Les jambes, je les porte sur un doigt. Pèse moins de 10 kilos, je suis sûr. Bah, regardez, c'est vraiment sympa. Pourquoi le changement de couleur, alors ? Alors, pourquoi le changement de couleur ? Parce que l'organisateur de SOCAT est un grand fan du cirque. Et le but du jeu, donc, le jour où il sera vraiment terminé, c'est de le faire officialiser sur le Guinness des Records. D'accord, ok. Quitte à aller au bout, on ira au bout. On suivra ça sur la chaîne YouTube, hein. Voilà. Dans quelques années. Mais ça reste un budget très, très important. Oui. Là, on est à pas loin de 1000 euros. Il y a déjà 600 euros juste de résine. Et pas mal d'heures de travail. Oui, forcément. Et de poussière. Et vous étiez artisan avant ou... Non, mais je suis né, entre parenthèses, dans les studios de la télévision française. D'accord. Et le polystyrène, la résine, c'est mon enfance en fait. Okay. Mes parents le travaillaient, j'ai regardé et j'ai appris en regardant. Je suis autodidacte là-dessus. C'est beau. Oui, j'ai eu des reportages aussi dans les journaux, notamment chez nous. Juste dans les premières pages, après la mort de Chirac, il y avait l'article sur ma collection que j'ai à la maison. C'est ça, ouais. Et maintenant, si vous êtes sur Internet. Et maintenant, on va être YouTube. Sur le net, sur YouTube. Voilà. Sur la chaîne de Monsieur Plémo. Une chaîne Merci beaucoup. Que je n'avais encore jamais fait. Mets un pouce bleu si t'es joyeux, mets un commentaire pour ne pas te taire et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo.